Salut les amis, c'est Mister E et... Et Mister B. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un petit peu notre façon de jouer à... Dragon Mania Legends. Voilà, donc on va exactement faire toutes les étapes comme chaque jour, comme pour récolter les pièces d'or, pour récolter les fruits. Pour récolter les fruits, pour faire évoluer des dragons, pour les nourrir, pour faire des combats. Donc nous allons passer tout ça étape par étape. Et là donc on est au 91e jour, sans rupture. Donc on récolte depuis 91 jours, on joue depuis 91 jours d'affilée. C'est beaucoup quand même hein. Donc là... Et on a aussi 170 864 nourritures, alors là on pourra un peu donc, les nourrir. On commence par récupérer l'or. Voilà. Ouais, cool. Donc là, on a quoi? Des promos sur des gemmes. Bon, là, hop, c'est bon. Nous allons rapidement passer sur les îles pour récolter rapidement ce qu'il y a sur les îles. Sur les différents habitats. Et comme ils sont déjà bien élevés, comme ils ont déjà un bon niveau, ils donnent beaucoup. Plein d'or, donc on a plein d'or. Voilà, donc ça monte assez cool. Rapidement. Ensuite, ce que nous faisons à chaque fois, c'est récolter les fruits. Et puis, pendant qu'on va faire le reste, nous allons mettre 5 minutes de plantation. Voilà, ça fera pas grand-chose, mais ça fera toujours ça de prix. Ensuite, nous allons faire... Des coupas. Les premiers combats là, donc on voit un petit peu là où on en est, mais on va s'intéresser à ce qu'il y a aujourd'hui déjà. Donc là, Mister Roy va faire les combats. Donc, alors on va d'abord tuer les dragons agents, parce que vu qu'il y en a qu'un, c'est cool. Donc vous verrez, nous avons toujours quasiment les mêmes dragons pour les attaques. Ils sont plutôt pas trop mal, donc on va essayer de se débarrasser assez rapidement de tout ça, parce que c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Et pour une fois, on vous fait une vidéo qui ne parle pas de voiture. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. Partager la vidéo. Donc là, on s'est débarrassé déjà d'un premier dragon agent. Donc là, c'est ce que l'on gagne. On va passer. Ah, tiens, au passage, on récupère un peu d'or. Par contre, on vient de perdre une mine. Faudra le faire, ça. Il faudra le faire plus tard. Ensuite, on va s'occuper. Ah, tiens, encore des mines. Hop, on récupère les sous. Là, il faut qu'on attaque. Ouh, en plus c'est cool parce qu'on aura un dragon végétal et un dragon palmier en même temps. Ouais, ça c'est cool. On attaque, toujours les mêmes dragons ouais. Que l'on va utiliser et on y va. Alors... Normalement en un coup, voilà c'est ça. Voilà. En un coup nous Facile. Avons les trois qui sont battus. Cool. Voilà. Non, d'abord on fait plutôt la mine, parce que les mines en priorité c'est plus... Non, on va d'abord plutôt se débarrasser, okay. Parce qu'on va à la fois, avec un combat, on va à la fois se débarrasser du dragon végétal et du dragon palmier. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Merci. On n'est pas toujours d'accord sur la façon de faire, mais au final, nous y arrivons quand même. Allez, et donc là normalement avec un seul coup, un coup parfait bien sûr, le dragon palmier et le dragon végétal sont KO. Et on a terminé. Là, nous le voyons, voilà. Dragon agent, dragon végétal, dragon palmier. Mais par contre, maintenant, il nous manque le dragon végétal, mais nous avons notre attaque qui est à 0. Voilà. Il nous manque deux. Il faut encore mettre KO deux dragons végétal. C'est ça. Dragon métal. Dragon métal pour gagner la suite. Nous allons voir aussi, toujours dans les combats, où nous en sommes au niveau du challenge. Donc, Ligue de Dragon, cool. Donc nous sommes à la position 24.
Nous allons rechercher des adversaires. Ça va, ça a l'air d'aller. Nous allons attaquer ceux qui sont en 25, 25, 25. Parce que là aussi, l'objectif, c'est de faire 3 combats. On se protège déjà pour commencer. Ouais. C'est de faire 3 combats pour gagner 100 000 pièces d'or. Ouais, celui-là, celui-là. Voilà. On travaille aujourd'hui en équipe. D'habitude, chacun joue à son jeu. Son tour. Oui, à son tour. Voilà. L'objectif aussi, c'est toujours de faire des coups parfaits pour pouvoir gagner la furie du dragon afin de pouvoir avancer. Oui, c'est ça. Voilà, un de moins. Alors, protège-le. Parce que ils vont d'abord occuper ceux-là. Parce que sinon, lui, il va perdre du poison. Mais quand lui, il attaquera, lui, il perdra pas de machin parce, vu qu'il aura 2 boucliers. Et on lui redonne de la vie. Oui. Voilà. C'est bon. Alors, toujours le dilemme, c'est toujours difficile, entre le feu et l'électricité, ça touche plusieurs dragons à la fois. L'électricité en touche 2, le feu en touche 3. Mais l'électricité, ce qui est nul, c'est que ça touche qu'une fois sur 2 les 3. Ça c'est bizarre, ça voilà. C'est... Ah, voilà. On vient d'en perdre un également, pour l'instant on a toujours l'avantage, on va revitaliser les dragons. Dragon dominant. Mais le chaos... On va... se débarrasser d'un autre. Chaos. Quand lui il attaquera. Bouillonnant attaquera. Ben on aura la furie du dragon comme ça. Après on pourra lui lancer. Voilà. Là, on voit que ça sert pas à grand chose. C'est pas grave. Il faut quand même faire un coup parfait. Même si ça ne attaque pas la furie du dragon. On va y aller. Allez. 51 coups. C'est plutôt pas mal, mais on est toujours pas venu à bout. Donc là, non, on devrait, mais ça, pas... on devrait terre, y terre, arriver terre. Avec la terre. Non. Même pas. Ah, il est protégé. Faut attendre. Il a la double protection. Donc, voilà. Je sais pas comment il a fait. Ah là, c'est bizarre. Tu es lui-même. Et donc un premier. Ah, nous avons un problème de connexion avec notre serveur. J'espère qu'on n'a pas perdu le combat. Est-ce que le combat est quand même malgré tout enregistré? Ce serait cool qu'il soit enregistré. Est-ce qu'il est enregistré? Non, je pense pas. Non, ah non. Non. Donc on a fait ça pour rien. Donc on a fait ça pour rien. Bon, on va quand même peut-être maintenant passer à la récolte de tout. Alors déjà, nous allons récolter ce que nous avons fait pousser pendant 5 minutes. Oui. Là, nous sinon allons... on n'a pas le temps. Sinon on récolte qu'une fois alors qu'on pourrait déjà planter 4 fois 5 minutes. Nous récoltons et nous plantons. Et là maintenant c'est le moment le plus embêtant que Mister E déteste. Alors on va essayer de vous faire passer ça en accéléré. Voilà, donc nous récoltons les dragons. Alors le plus simple, hein, la technique, c'est pas forcément de caresser les dragons tranquillement. Nous on tapote avec 2-3 doigts dessus pour farmer, pour récolter un maximum de crédits. Et bien, ah, nous avons récolté gemmes. Et bien évidemment, en fonction de chaque niveau de dragon, voilà, c'est 1000 fois à chaque fois. Donc nous récoltons. Ouh, 1000 1000, oui, tout à fait. Là, tu viens juste de me briser le tympan. Mister E. Donc on continue de 100. Donc c'est à chaque fois 3 fois par dragon. Les habitués connaissent. Et l'objectif étant pour nous, au niveau où nous en sommes, de pouvoir récolter 1,8 million de pièces d'or, histoire de planter suffisamment de fruits pour pendant une heure faire tourner les fermes et ainsi donc récolter un maximum de fruits pour nourrir les dragons et les faire passer à un niveau supérieur. Ça c'est vraiment l'objectif.
Les dragons que nous avons aujourd'hui, ceux qu'on utilise, sont en 24, 24 et il y en a un en 26 si je ne me trompe pas. Faut pas qu'on Non, c'est oublie. 25, 24, 25, c'est 25, ça? 24, Oui, c'est 25. ça. Faut pas qu'on oublie l'île de la tortue qui nous a quand même coûté 25 millions de crédits. Donc nous avons toutes les îles sauf la dernière île, la dernière mise à jour. Est-ce que je l'ai fait ça? Je sais plus. Oui. J'ai fait les trois. Sauf la dernière île de la dernière mise à jour. Qui coûte 50 millions. 50 millions, quand Donc même. 50 millions, je pense pas que ce soit prioritaire. Donc là vous voyez on a des dragons, on a parfois les deux fois ou trois fois les mêmes dragons, là c'est le dragon solaire. Donc là cette île paumée, la île de la tortue, c'est terminé. Ça peut toujours servir parce que si t'as deux fois les mêmes dragons qui doivent explorer quelque part, bah, et qui sont déjà au niveau niveau assez élevé, t'as pas besoin d'attendre 3 ou 4 heures pour que ce soit terminé pour explorer l'autre endroit, tu vois. Oui, c'est Donc vrai que c'est pour plus cool. l'exploration, nous vous montrerons tout à l'heure les différentes grottes où il y a des explorations à Oui. faire. Et effectivement, parfois, il faut le même dragon pour deux explorations. Donc, le fait d'en avoir deux, ça permet de faire deux explorations en même temps. À savoir de toute façon qu'on peut toujours arriver à les vendre à un moment, si on en a trop, parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup d'habitat, il faut beaucoup de fruits pour les nourrir. Aussi beaucoup de sous pour acheter tous les habitats et tout ça c'est sûr. On est en train de farmer. Voilà. 200. 200. C'est pour ça que les dragons ont essayé de les mettre au niveau 10 minimum, histoire que ça rapporte quand même un petit peu quelque chose. Laissez-en quelques-uns à un faible niveau, histoire de, lorsqu'il y a des événements qui vous demandent de nourrir les dragons, de pouvoir justement utiliser ceux qui sont à un niveau faible pour gagner comme ça des places dans les classements. Parce que si vous êtes obligé de nourrir un dragon qui est au niveau 20, tout de suite ça coûte quand même beaucoup plus cher. Là, un dragon au niveau 8, là, c'est 160 à chaque fois, en sachant qu'il faut le nourrir 4 fois. Donc ça revient pas trop cher. Par contre, si on part sur un niveau 12, on est déjà à 1600. Donc c'est déjà 10 fois plus pour simplement 4 niveaux de différence. Ensuite, nous attaquons l'île principale où il y a le plus de monde. Donc on retrouve pas mal de dragons. On regardera un petit peu en détail tout à l'heure les différents dragons que nous avons. Il y en a quand même un petit paquet. On a plus de 60, je crois. Donc on en a quand même beaucoup. Quand même, hein. Voilà, vous m'entendez tapoter sur notre iPad. Nous sommes sur iPad hein, aussi pour jouer à ce genre de jeu. C'est quand même vraiment sympa. L'écran est grand, c'est pratique, la prise en main est sympa. Mais bien sûr, on peut jouer sur n'importe quel type de support ou à peu près n'importe lequel. Le dragon salamandre. Le dragon salamandre, c'est un des premiers qu'on a eu. Et on l'a toujours. Donc il est quand même un peu vieux. Tribal. Ragnarok qui a été gagné lors d'un Je l'adore. événement. Il est trop beau. Voilà, donc là vous avez effectivement l'exemple d'un niveau 1 dragon argile que nous avons déjà par ailleurs. Donc celui-là on l'a laissé au niveau 1 pour l'instant, il rapporte vraiment pas grand-chose. Là on a un beau groupe. Alors le Tesla il est pas un niveau très très élevé, par contre il y a le toxique Celui-là, je l'adore. Ça, niveau c'est mon 16. dé ça c'est mon dragon pré un de mes dragons préférés. Et celui-ci, donc voilà, le lynx qu'on Ça utilise aussi. à chaque, Combat. chaque combat. Avec le bouillonnant et le pierre, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, le dragon terre. Terre. Mets l'œuf dans la crèche, papa, comme ça tu pourras aussi les caresser. On va mettre l'œuf dans la crèche. Voilà, comme ça eux ils retrouvent leur habitat. Ouh, On qu'est-ce que aura c'est que quoi? celui-là? Un dragon faucheur. Un dragon faucheur. On en a déjà un comme ça, Oui. mais Ça peut toujours servir, hein. alors on a un petit faible pour les dragons ombre, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même vraiment sympas. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je voulais. Voilà, Mais il est quand dragon même joli. empereur.
J'adore. Donc nous continuons notre récolte. Donc ça c'est vraiment le moment qui est pas forcément le plus marrant. Mais comme vous avez vu, on s'est débarrassé donc des combats. Ouais. Enfin débarrassé, on a fait des combats. On a planté également de la nourriture. Oui. Et la nourriture, ça permet comme ça de tourner pendant que nous sommes en train de faire autre chose. Donc, il faut essayer d'optimiser le temps si vous voulez grimper les niveaux assez rapidement. On est au niveau 54 pour l'instant. C'est pas trop mal. On avance de manière assez régulière. Après, bien évidemment, hein, ben, c'est comme tous les jeux dans lesquels il faut farmer. Il faut essayer de faire ça régulièrement, si possible tous les jours, surtout pour récupérer la prime quotidienne. Voilà. Et donc là, les 5 minutes sont passées. Nous pouvons récolter à nouveau. Et comme nous avons 1,8 million, nous allons utiliser des fermes au niveau 3 en multi-semis. Donc ça permet de sélectionner toutes les fermes qui sont au niveau 3 pour planter pendant une heure. Voilà, ça coûte 1,8 million, ça nous rapportera 9 fois 7500 fruits. Donc on arrivera déjà à avoir encore plus de nourriture. Et cette ferme qui est qu'au niveau 2, nous allons la mettre pendant 2 heures. 2 heures, comme ça tu pourras tout récolter. 2 heures, voilà. En même temps. Donc là nous avons fait le tour de toutes les... Non, parce que tu dois encore caresser le dragon métal. Parce que comme il était encore à la tanière d'élevage, il faut aussi le caresser. Bien vu. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a nourri les dragons? Alors, nous n'avons pas nourri de dragons pour l'instant. Donc l'objectif, ça va être de nourrir des dragons. Et en l'occurrence, je pense, voilà, le pierre, qui est en 25. Le terre, ou le terre, je me trompe tout le temps. Ou alors, on va regarder quand même celui-ci. Combien il nous faut? 45 000 à chaque fois. 4 x 4, 16. Hein, ouais. Donc ça nous ferait 180. On n'a pas encore assez pour pouvoir passer ce dragon-là au niveau 26. Mais donc, papa, on va faudrait passer des dragons niveau 22 au niveau 23 ou 24. Comme ça, on en aura de rechange dans le sous-marin. Dans le sous-marin, c'est vrai. Alors ça aussi, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités. Donc on va utiliser... Qu'est-ce que nous avons comme dragon ? Celui-là. Qui serait pas loin. Ah non. Du niveau 20. Alors on récupère au passage, hein, quand on fait un tour sur une île, on récupère au passage les quelques crédits. Il y a le Tesla. Voilà. Ah ouais. Nous pouvons augmenter le Tesla et le nourrir. Ou peut-être le dragon Bou. Non ? Le Tesla d'abord. Parce que celui-là, il est que au niveau 20. Ah oui, c'est pas bon. Voilà. Donc il est au niveau 21. Il nous ramènera donc comme ça plus de sous. Nous allons monter au niveau... Non, parce que le dragon Bou, il est déjà au niveau 22 et il est déjà entamé. Et enfin, le dragon 22. Voilà, tu vois. Dragon Bou, voilà. Ouh, ça va être bien. Et voilà, nous avons un dragon au niveau 23. Il ne nous reste plus que 36 000 fruits. Vous voyez, ça diminue quand même très vite. Donc, il faut pas mal farmer. Voilà. Et pour ça, eh ben, il faut être bien placé dans les combats. Donc nous allons retourner dans nos combats. Parce que là, on est en position 24. Donc on récupérerait 240 000 or et 16 000 fruits, ainsi que 4 parchemins pour pouvoir les faire évoluer de niveau au niveau des attaques. Donc on a 3 chances. Nous allons les attaquer. Voilà. Ah, c'est les mêmes qu'on a fait avant ? Tout à l'heure. Ah ouais. On se protège. Vert, celui avec l'épée. Là. Poison, ça c'est vraiment un truc que j'aime pas. Non, attends, et regarde, avec eau sur lui. Ah ouais, cool. L'eau sur lui va avoir plus d'effet. Ah oui. Voilà, donc on va pas chercher forcément à attaquer ou à dégommer un... N'attaque pas parce que sinon tu perds beaucoup de PV. En plus, il y a un niveau assez élevé, alors... Non, on va attaquer. Avec un dragon complet. Voilà, mais par contre, il y a l'épée vengeresse. Oui, on a perdu un petit peu. Voilà, maintenant, attends, on devrait avoir... On va le mettre KO, celui-là. L'épée vengeresse, là, ça lui fait plus d'effet. Là, par contre, le remets poison. Remets-toi de la vie. Oui. Le poison, c'est toujours.
Ouais, raté, ça c'est très moi, bien. J'aime ça, pas c'est le poison. Pour nous, ça. Attends, et terre sur lui. Terre sur lui va ouais, quasiment cool. L'achever. Il l'a achevé. Il l'a achevé. Très bien. Voilà. Par contre, nous n'avons plus de protection maintenant, donc attention. Avec lui, on va mettre une petite protection. Oh, parfait. Ah, mais il a toujours les épées vengeresses. Nous allons voir. Remets de la vie à lui. On va lui remettre de la vie. Non, parce que c'est terre. Parce que les autres. Ah, nous avons une quête qui s'est terminée aussi. Comme c'est deux mêmes dragons. Et là, la furie du dragon. Attention. Je vais l'attaquer. Attention. Ah, 42. 51 c'était avant. C'est un peu plus. Mais bon, on est arrivé au bout. Voilà. On l'a battu. Donc, avec 3 étoiles en plus. Première victoire. Voilà, nous sommes passés de la position 24 à la position 20. Nous continuons. Alors là, on va pas se casser la tête, hein. C'est pas la peine d'essayer d'attaquer un niveau 26 ou 27, on va prendre le niveau 21. On devrait arriver assez facilement, et ça permettrait, si le prochain combat n'est pas trop compliqué... Attends, essaye là, terre. Non, t'essayes terre. Oui, mais terre ne touchera qu'un seul dragon, alors que le feu en touchera 3. Voilà. Là, tu pourrais le mettre KO. Là, on va pas chercher à se protéger. Comme ça, il pourra même pas lancer d'attaque. Lui, haut sur lui, parce que sinon, comme ça, tu l'achèves. Avec de l'eau, je peux l'achever? Oui, bien vu. Tu commences à les connaître par cœur. Comme c'est une attaque puissante, tu sais. Et là, qu'est-ce qui serait puissant? Terre. Ah, terre, bien sûr. Vu que c'est pas une... Pour lui, c'est une attaque normale. Ah, ben c'est pas comme ça qu'il va réussir à nous avoir. Et donc là, voilà, nous sommes venus à bout. Bon, c'était 3 dragons au niveau 21, donc c'était pas grand chose. Mais, comme dit, ça permet de cumuler des victoires. Et maintenant, voilà, et de monter une position. En espérant que nous n'ayons pas. Voilà, 21, 22, 25, nous allons les défier. Trop cool! En plus, il y a un dragon comète. Et donc là. Essaye feu parce que ça touche 3. On va voir si le feu fait autant. Non, le feu fait moins de dégâts, donc nous allons quand même attaquer avec l'électricité. Ah oui, c'est vrai, parce que vu que. Voilà, donc là les deux premiers ont été touchés. Oui, elle a une attaque faible. C'est... Ouh, la marque de la mort. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un retardement. Qui est un retardement qui n'est pas forcément très sympathique. C'est un peu comme le poison. Enfin, rien n'est sympathique quand ça vient des ennemis, ça c'est sûr. Nous allons lui redonner de la vie. Voilà. Faut prendre son temps quand on attaque. Protège-toi. Non. Voilà. En plus, il rate son coup, c'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'achève, hein, je pense qu'on va l'achever. Le dragon radieux. Voilà, il nous en reste plus qu'un, on devrait arriver. Mais je pense que c'est quand les ennemis ils touchent celui-là, ils perdent de la vie, je pense. Parce que si. Par exemple, quand le dragon comète touche le dragon terre, il perdra encore des PV. Parce que... La marque de la mort, on est en débarrassé, maintenant il nous en met une couche. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va bientôt y arriver. On a la furie du dragon. Et juste pour le plaisir, on va l'utiliser pour le dernier. Ouais. Allez, cette fois-ci, c'est moi qui le fais. Ah bah d'accord, on est passé de 51 à 42 à 33. Ça baisse à chaque fois. Mais bon, on l'a eu, et donc là... C'est tout ce qui compte. Voilà, donc 3 victoires d'affilée, 100 000, voilà. Ouh. 100 000 pièces d'or que l'on se fait. Ouh. Un plaisir de récupérer, et encore une place de gagner. Donc on est dans les 18, toujours la même tranche. Voilà, donc on vous a montré un petit peu tout ça. Ici, vous avez aussi la grotte mystique qu'il faudra explorer. Et juste au-dessus, devine ce qu'il y a, il y a le Chronos. Le Chronos, qui est un dragon qu'on peut donc utiliser. Je sais plus si je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer. Oui, clique. Voilà, Chronos. Donc là on peut le déclencher, le Chronos, ce qui nous fait gagner 6 heures de temps. Non mais appuie, tu peux appuyer, mais après, il va pas te forger le truc. Voilà, donc
il ne faut pas forger le saut de l'aventure. Ça nous permet de gagner du temps, de réduire donc du temps énormément. Mais pour cela, de manière judicieuse, nous l'avons déjà fait précédemment, il faudrait qu'il y ait deux œufs dans la crèche, il faudrait qu'il y ait un autre dragon qui soit en reproduction, il faudrait également que, tant qu'à faire, toutes les fermes soient en train de planter, enfin de oui, il faudrait que toutes les fermes travaillent pour un maximum de temps, et comme ça, en déclenchant le chrono, c'est tout de suite 6 heures, je crois que c'était 6 heures la dernière fois, oui, de gagner. Nous avons également oublié la petite montgolfière qui nous permet, à chaque fois que l'on regarde une petite vidéo publicitaire pour d'autres jeux de nos amis de chez Gameloft, de gagner une gemme supplémentaire. Voilà. World at Arms. Donc là, c'était ça. On attend bien la fin de la pub. On clique sur la croix en haut à droite. Et ça nous fait une gemme de plus. Et ainsi de suite, puisqu'on a la possibilité de le faire, je crois que c'est 4 fois tous les jours. Donc ne vous privez pas de ça, des gemmes c'est toujours utile pour augmenter la crèche, pour pouvoir avoir deux emplacements dans la crèche, pour acheter dans certains cas si vous le voulez certains dragons que vous n'avez pas envie ou que vous n'arrivez pas tout simplement à créer. Il y a des dragons pour lesquels on a eu beaucoup de mal à les créer. Et d'autres que comme nous le avons. Tornade. Le dragon Tornade par exemple, 5 essais à mon avis. Et il y en a d'autres qu'on n'arrive toujours pas à faire. Donc il faut prendre son temps. Voilà, la croix apparaît. Et on peut cliquer. Une gemme. Ah, que deux vidéos aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas ça? Ensuite, ce qu'il faut pas oublier, c'est en cliquant sur les épées. Déjà là, on a notre défi quotidien, donc une partie que nous pouvons récupérer. Voilà, il y a encore quelques combats, c'est bien. Des zones à libérer, des dragons à combattre, mais, donc il y a également des mines. Donc l'objectif c'est de libérer les mines le maximum. Ici on voit que les mines, donc sa capacité maximale c'est 10 500. Donc le soir avant d'aller vous coucher, et ben toute la nuit ça travaille, donc vous récoltez, et ensuite... Nous avons gagné une énergie. Bon, celle-là, on l'avait déjà faite. Donc, des îles, on en a pas mal. Par contre, là, on vient d'en perdre une. Qui est passée à l'ennemi, tout comme celle-ci. Ah, ils sont en niveau 21. Et comme nous avons gagné. Et regarde l'autre aussi. Il y a l'autre à récupérer. Donc, celle-là, nous avons déjà récupéré tout à l'heure. Il y en a une autre là-haut. Voilà. 18 000 d'or, c'est pas mal. Il y a encore une île ici qui est partie à l'ennemi. 25. Voilà. Et il y en a encore une autre ici qui est aussi partie à l'ennemi. C'est voilà. Pas possible. Donc tous les jours, on se fait un petit peu bouffer des... Allez, on fait un petit... Alors, on va un déjà petit, peut-être attaquer celui-là. Un petit gros, ouais. Allez. Avec des petits... La première. Comme on a récupéré dragons, un combat. Feu, voilà. Feu. Voilà. Attaque parfaite. L'objectif toujours. Ah, une éruption solaire. Alors ça donne quoi? On commence à en voir de plus en plus des éruptions solaires. Oui. Voilà. Oui. Se débarrasser. En plus, comme lui, il lance aussi la lumière. Et lui, il lance. Je revitalise. On n'était pas obligé de revitaliser. Puisqu'on pouvait s'en débarrasser assez. Assez facilement, même si on perdait un dragon, ça permet simplement de gagner un peu plus de sous en ayant un petit peu plus de points à la fin. Et je pense que tu peux l'achever. Ah non. Même pas. Pas encore. C'est pas grave. Ce sera avec le prochain. On peut commencer une attaque. Ah, même pas une attaque parfaite. Voilà. Mais c'est pour la gagner. 3 étoiles. 700, ouh, formidable. 28 étoiles bleues. Pour l'évolution, super, mais par contre le plus important, c'est que nous avons récupéré notre mine qui nous rapporte jusqu'à 8000 or à chaque fois, ça, une pièce d'or. Et voilà. Il va dans le sous-marin, papa. Et donc le fameux sous-marin dont on parlait tout à l'heure, dans 18 heures ça se termine, donc là il y a une chance de gagner un dragon si on arrive à aller jusqu'au bout du coffre donc tu dois rempli avoir... de pièces d'or. Comme à chaque fois...
tu as 3 énergies. Faut changer. D'abord, on fait 3 fois avec ceux-là. Et puis après, si on en a encore des forts et tout ça. Voilà. On va vous montrer ça dans une autre vidéo. Sinon, je pense qu'on en a pour la journée. Et on va s'arrêter là. On va faire un deuxième épisode. Je pense que ce sera plus judicieux. À savoir, bien évidemment, que si vous voulez voir la suite plus facilement, on vous propose de vous abonner. Hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas, comme dit, si vous avez des questions sur les dragons, sur la récolte de fruits, les pièces d'or, des astuces, si vous avez vous aussi d'autres astuces à partager, mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un like. C'est toujours sympathique de savoir si la vidéo a plu. Il y aura beaucoup d'autres vidéos comme ça dans ce style-là. Peut-être beaucoup moins longues parce que là, on vous a expliqué comment ça fonctionne. On fera des combats, on vous montrera les nouveaux dragons que nous avons. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur Dragon Mania Légende. Et puis, écoutez, on vous dit à ciao. Ciao. Ciao, 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 ça veut dire bye en anglais. Hein, voilà, et on vous fait des gros bisous et on vous dit bien évidemment à très bientôt. Allez, à plus. Ciao.